saga. C'est l'heure. Allez. Reine invisible, ô noble reine, nous tes fidèles serviteurs, te prions d'accepter le sacrifice de ce jeune homme dans la force de l'âge, désireux de se vouer corps et âme dans ton royaume pour l'éternité. Ô noble reine, accueille-le, il te servira fidèlement et remplira ses devoirs d'époux. Accepte-le dans ton royaume de pureté jusqu'à la fin des temps. Accepte ce sacrifice, ô reine invisible, et puisses-tu veiller sur nous encore longtemps. Je te salue, noble reine, et attends tes ordres avec impatience. Puisse ta lumière éclairer toujours ton temple. Si tu as un désir, ordonne. Fais-les tous entrer. Bien, Votre Majesté.
Banyu, Banyu Jaga, écoute ma voix, Banyu Jaga, et sors de ta méditation. J'ai besoin de ton assistance. Sors de ton sanctuaire. C'est ta reine qui te l'ordonne. Lève-toi, lève-toi, Banyu Jaga. Tu es un grand soldat. Je vais te demander d'accomplir une tâche que toi seul es capable de mener à bien. Je veux que le mariage de Sanchaya et de Pitalobra soit détruit. Banyu Jaga, que viens-tu faire ici? Réponds, que viens-tu faire chez nous? Il me semble que tu as omis de faire des sacrifices à notre reine, Barada. Furieuse, la reine m'a envoyé ici pour lui ramener un homme. Elle veut ton futur gendre. Est-ce clair? Alors, tu dois obéir à la reine. Il faut se plier aux ordres de la reine. Il va falloir me suivre, mon garçon. Je peux t'assurer que tu vivras une vie bien meilleure que celle-ci. Non, jamais. Nous venons d'être mariés. Et il est écrit que seuls les célibataires sont obligés de se sacrifier. Vous n'êtes pas encore mariés, vous me mentez. La cérémonie n'est pas encore finie. Qu'il vienne, puisque c'est encore un célibataire. Dorénavant, nous ne sacrifierons plus personne pour cette reine. Nous ne voulons plus perdre nos meilleurs hommes, tu peux le dire à ta reine. Et spécialement si l'un d'entre eux est mon fils. T'en aller d'ici tout de suite. Va donc satisfaire ta reine si tu veux, mais laisse mon époux en paix. C'est toi qui vas me le laisser. Cherche-toi un autre homme si tu en as besoin. Éloigne-toi. Thank you.
Banyu Jaga. Mandala. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était vu. Il me semble que notre maître nous avait appris à n'utiliser notre force qu'à bon escient. Et non pour tuer de pauvres innocents, n'est-ce pas? Si tu es là par hasard, je te conseille de t'en aller au plus vite. Par contre, si tu es là pour me sermonner, je te tuerai, je le jure. Tout ceci ne te regarde pas, est-ce bien compris? Je suis toujours là où des individus de ton espèce sèment la tyrannie. Bâtard! Tu me rappelles ce vieil idiot d'Abirawa. Ce n'est plus un combat loyal. Allez-y! Mandala, Mandala, écoute-moi, tu n'as qu'une seule alternative, viens me rejoindre. Gambir. Allez, Gambir, allons au palais. Le voici, Majesté. Je vois que tu es le seul ici à bien exécuter mes ordres, bien. Tu en seras récompensé, fais-moi confiance. Il n'est pas mal. Ma reine, si ce garçon ne te plaît pas, j'en trouverai un autre. J'irai au bout du monde, tu le sais bien. Dis et je t'obéirai. Bien parlé.
Mais voyons d'abord ce que je peux faire avec cet homme-là. Peut-être me surprendra-t-il. Puisses-tu atteindre le septième ciel, puisse cet homme te faire voguer longtemps sur les eaux de l'amour. Je te le souhaite, ma reine bien-aimée. Vraiment, tu verras que mon choix est le bon. Fais-moi confiance, ma reine. Au revoir. Maître. Maître. Maître, réveillez-vous. Mandala, ils sont revenus. Ils ont tout détruit. Le poison du serpent rouge est en train de me ronger. Mandala, je ne passerai pas la nuit. Tu devrais partir, mon enfant. Non. Je ne vous laisserai pas mourir, moi.
Gambir, tu vas m'attendre ici. Maître, mon maître, il faut vivre. Mais pour cela, il faut... il n'y a pas d'autre moyen que de vous couper les jambes, je suis désolé. Ils ont décidé d'éliminer tout. Tout ce qui les gêne dans leur pouvoir.
Le monde doit devenir un lieu de débauche. Ils y arriveront si nous ne faisons rien contre eux. Ils ont le très bon guerrier. Je vais te dire pourquoi. Ils m'ont torturé pour que je leur révèle le secret de Yadaskala qui a inventé il y a bien longtemps une espèce d'épée magique. Et quand il s'en servait, personne ne pouvait lui résister. C'était vraiment extraordinaire. Jaga, c'est indigne de toi de faire ça. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Je vais te dire une chose, je regrette de t'avoir légué tous mes pouvoirs. Avant d'être damné, reprends-toi, Banyu. Je me moque bien de ce que tu dis. À l'époque, il fallait t'occuper moins de Mandala et plus de moi. Allez, Abirawa, ne sois pas aussi stupide et donne-moi le secret, il ne te sert à rien alors. Tu as tort de t'obstiner, pauvre vieillard. Il a raison, parce que tu n'as aucune chance de t'en sortir. Nous sommes trop forts. Pauvre fou, nous allons te montrer combien nos méthodes sont efficaces. Tu devrais te mettre de notre côté. Pense que tu es vieux et seul. Réfléchis. Parce que tes minutes sont comptées. N'oublie pas non plus que tu es le seul survivant de tous ceux qui connaissaient le fameux secret de cette épée. Ils sont partis quand ils m'ont vu blessé. Mais grâce au ciel, je n'ai rien dit. Le secret est encore bien gardé, c'est heureux. Car si jamais il tombait entre leurs mains, notre pauvre monde n'existerait plus, Mandala. Il faut que quelqu'un d'autre que moi se charge du glaive et des manuscrits. Prends-le, toi. Plus qu'à toi de préserver le bien. Désormais, tu seras le seul juge, faisant bon usage. Moi, je suis devenu trop vieux pour avoir une telle responsabilité. Je vous remercie.
Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Tu ne me reconnais pas? N'es-tu pas cet homme qui nous est venu en aide? C'est bien moi. Je me nomme Mandala. Je peux t'assurer que je suis ici dans le but de t'aider. Il serait raisonnable que tu retournes chez toi. Je te jure que je ferai tout pour te venger. Mais auparavant, je dois accomplir une mission très importante. Allez, Gambir, on s'en va. Mandala, je vais avec toi. Je vais au bout du monde avec toi, si je le trouve. Non, c'est une mission trop dangereuse. Tu pourrais être tué. Je n'ai pas peur de mourir. Une seule chose m'importe, retrouver mon fiancé. De mes propres mains. Non, je suis désolé. Allez. Mandala! Mandala, je t'en prie! Te voilà enfin, Bagneux, je t'attendais. Mais c'était bien long. Je te salue humblement, ma belle reine. J'attends que tu me donnes tes ordres. Vers la montagne sacrée. Je pense qu'il doit avoir sur lui la carte d'Avirawa. Il faut que tu l'arrêtes, Bagno. Très bien, je vais partir sur le champ. Donne-moi ta bénédiction. Thank you.
La montagne se trouve par là, derrière le lac. Il faut le traverser. Hey, regarde, il y a un radeau qui arrive. C'est peut-être un de ces scélérats qui va rejoindre ses amis et sa reine. Deux vieux amis, n'est-ce pas? Au même endroit, en même temps. Pour la même raison, je crois. Tu as une proposition à me faire? Tais-toi, vieille sorcière. Que fais-tu ici? Je ne suis pas venu jusqu'ici pour écouter ce genre de discours, compris? Je sais pourquoi tu es venu, parce que tu veux m'empêcher de prendre l'épée, c'est ça? Attends un peu, écoute.
Tu n'es pas le seul à vouloir t'emparer de cette vieille épée. Pour ta gouverne, tu dois savoir qu'une personne a été désignée il y a bien longtemps pour la reprendre. Ce que tu dis est vrai. Et je peux te rassurer tout de suite en te disant que ce n'est pas toi, sorcière. Va retrouver tes crapauds et ta saleté. Tiens, 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 voilà que tu craches ton venin, vieux serpent. Mais ne t'inquiète pas, tu ne me fais pas peur. N'oublie pas que mes pouvoirs sont immenses et que je pourrais te corriger. Alors, sois un peu plus respectueux. Arrêtez, nous savons pourquoi nous sommes ici. Inutile de se disputer. Je vous propose quelque chose. Que chacun essaie de pénétrer dans la grotte et le premier qui y arrivera aura le droit de prendre l'épée. J'ai failli avoir peur, vraiment. Moi aussi, je crois. Pourquoi tu fais ça? Oh non, ce n'est pas pour moi. Je vous réserve ces deux trous, ainsi vous aurez deux beaux tombeaux. Pourquoi deux seulement? Il me semble que tu en as oublié un pour toi, non? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Banyu Jaga. J'attendais que tu viennes car je t'en réserve un depuis longtemps. Pourquoi n'es-tu pas arrivé plus tôt? Mais toi aussi, tu es venu pour t'emparer de cette épée. Je suis content que tu sois là. Puisque nous sommes réunis ici, nous pourrons voir celui qui deviendra le maître. C'est simple. On peut déjà t'éliminer. Tu ne m'arrives même pas à la cheville. J'ai bien plus de pouvoir que toi, mon pauvre Gelang. Comment peux-tu rêver posséder l'épée? Il me semble que ta prétention mérite une correction. Tu vas regretter tes paroles, sorcière. Prépare-toi à mourir. Commençons. Il semblerait que mes trois ennemis ne soient pas en parfait accord. Alors dans ce cas, le mieux pour nous est de se combattre. Nous ferons exactement ce que Gelang a préconisé. Alors, vous êtes prêts? Nous impressionner avec ça, tu te trompes, Gelang. On va t'apprendre à agir de la sorte et nous allons te montrer que dans l'art de tuer, nous ne sommes pas si mauvais. Je vais te faire taire, vipère. Maintenant, devons-nous continuer ce combat ou pas? Nous ne sommes plus que trois. Une femme seule. Contre deux hommes. Yeah!
Pourquoi m'as-tu trahi? J'avais pourtant cru que t'étais avec moi. Tu as... J'aurais dû deviner que j'étais prête à tout pour vous vaincre. Sache que dans un combat, tout est permis, Suliman. Qu'allons-nous faire? Nous battre, nous aussi? Songe plutôt à tout ce que nous pourrions faire tous les deux avec l'épée. Faisons donc un pacte. Entendu, présenté comme ça, la proposition est alléchante, mais... souviens-toi qu'on sera deux à l'avoir gagné. Après toi. Yaga, tu es un traître. Je ne pensais pas que tu pourrais être aussi faux. Aucune autre femme, excepté Rata, ne peut gouverner la Terre. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je serai celui-là. Tu n'y peux plus rien. Je crois que tu rêves, mon ami. Je peux toujours te combattre. Regarde voir. Y aller seul. Attends-moi ici. Si tu ne me vois pas revenir avant le coucher du soleil, je veux que tu rentres chez toi. Entendu.
Alors, Mandala. Apparemment, tu as eu plus de chance que moi. Il semblerait que les dieux soient avec toi, mais ton ami ne peut pas en dire autant. Je crois qu'il va te falloir choisir entre me donner cette épée ou voir cette jolie femme mourir devant tes yeux. Non, Mandala, ne fais pas ça. Ma vie n'a aucune importance. À côté de ce trésor, je t'en prie, écoute-moi, va-t'en. Je sais bien, Mandala, que cette femme ne représente rien pour toi. Mais je suis sûr qu'en tant que... comme donneur, tu ne pourras te faire à l'idée de sacrifier une pauvre femme sans défense. Je me trompe? Laissez faire, chien. Tu m'as volé mon bonheur pour ta reine. Une fois, ça suffit, j'ai l'intention de te faire payer ça. Demande à ta reine de t'aider, tu en auras besoin. Calme-toi. Reste en dehors de tout ça. On se retrouvera, je te tuerai, je te le jure.
Il aurait mieux valu pour toi que tu ne reviennes pas, Banyu. Tu as manqué à tous tes devoirs, tu es en disgrâce. Je ne veux plus jamais te revoir. Oh, ma reine, par pitié, donne-moi une dernière chance de la récupérer. Je te le promets, mais donne-moi une dernière chance. Trop tard. J'ai déjà attendu trop longtemps. Tu devais réussir et tu as échoué. Mais je vous promets que cela ne se reproduira plus, ma belle reine. Pourquoi êtes-vous aussi cruelle avec moi? J'ai assez perdu mon temps. Tu ne m'es plus utile. Banyu Jaga, moi je n'ai pas besoin d'un capable comme toi. Parce que tu as échoué, failli à tes engagements. Ma colère monte. Depuis longtemps, je voulais vous le dire. Il faut nager. Tu peux nager, Pitaloka? Thank you.
Fais attention à la statue. Maniaque! Pourquoi m'avoir pris mon fiancé? Les autres ne vous suffisaient pas? Hein? Lequel d'entre eux est votre fiancé? Serait-ce celui-là? Sanjaya, tu es un traître! Vous voyez, vous ne l'avez pas laissé de souvenirs marquants, Pitaloka. Oh, je vous tuerai! Oh 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 ah toi, tu peux t'en aller, va. Je t'en prie, j'ai besoin d'être un peu seule. Thank you.
Pourquoi lui as-tu laissé l'épée? C'était bien trop risqué. Maintenant, il est sous le charme de cette reine. Tu sais quel grand danger nous courons à présent, compagnon. Que puis-je donc faire? Laisse-moi réfléchir un peu, il nous reste la télépathie, c'est la seule chose qui nous reste, oui. C'est la seule chose qui puisse l'éloigner de cette femme. Je ne puis être certain que cela réussisse entièrement, compagnon, mais nous n'avons pas le choix, sinon nous courons au désastre. Je te promets que je ferai tout mon possible, maître. Je le sais bien, mon ami, mais cela ne suffit pas à l'esprit de Mandalaconde. S'il refuse de communiquer avec toi, cela ne servira à rien. Il faudrait intervenir au bon moment, j'ai dit. De cette femme, c'est le démon en personne. Elle cherche à te prendre l'épée. Ouvre les yeux. Toi seul dois avoir le livre et l'épée. Écoute ton maître, sauve-toi et vite. Combat sa magie, Mandala. Dépêche-toi, Mandala. Ce n'est pas la femme que tu crois. Elle est cruelle et démoniaque. Combat sa magie, tu le peux. Derrière sa beauté se cache une vieille femme qui ne désire qu'une chose, de prendre ta jeunesse. Sauve-toi. Mandala, écoute-moi et sauve-toi immédiatement. Ne fixe pas ses yeux, Mandala. Prends ton épée et va-t'en. Vite, obéis à ton maître, vite, vite, Mandala. L'époux est encore sous le pouvoir de la reine. Je te conseille d'être très prudente. Ne t'inquiète pas, elle va périr, je te le promets. Trahir un membre de ta famille. Yeah!
trouver un autre moyen pour lui retirer son pouvoir. Il le faut. Laisse-moi achever cette vieille sorcière, je t'en supplie. Ne dis rien, je dois m'en aller à présent. J'ai une longue route. Et votre destin est bien loin du mien, allez. Dites-vous bien que vous avez vécu les plus dures années de votre existence. J'espère que vous en tirerez une leçon. Soyez heureux. Puisse votre descendance être aussi courageuse. Que vous deux. Adieu.